Une vieille dame se promène dans la rue en chantant. La 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 la. Elle porte un sac à main bleue. Un petit garçon arrive. Il bouscule la dame et crie « À l'attaque !» Et lui prend son sac. « Au secours, au voleur !» Un super-héros nommé John sort des égouts et dit « Ne vous inquiétez pas, je vais le fouetter avec ma ceinture. » Après qu'il l'ait fouetté, le petit garçon pleure. Il rend le sac à la vieille dame. « Merci beaucoup, monsieur, merci !» Et le super-héros retourne dans les égouts. La dame, énervée contre le petit garçon, sort un dentier de sa poche. Elle décide de se venger. La dame va voir le garçon et lui dit « Je vais te mordre, sale chenapan. Sale voyou, tu vas me le payer !»« Aïe, 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 tu me fais mal, vieille grand-mère !»« Rentre chez toi !» La vieille dame rentre chez elle pendant que le petit garçon pleure. Un homme entre dans une bijouterie pour acheter une bague en diamant. Bonjour, dit le voleur à la bijoutière. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Dit la bijoutière. Une bague en diamant s'il vous plaît. Je vais vous la chercher monsieur. Il se dirige vers le coffre pendant que la bijoutière fait le code. Il le mémorise. Tenez votre bague en diamant monsieur. Non merci, je reviendrai plus tard. Et la bijoutière répond. D'accord, au revoir et à bientôt. Le soir venu, le voleur est habillé tout en noir. Et peut commencer son action. Il entre dans la bijouterie. Il commence à voler les bijoux. Le voleur se retrouve nez à nez avec un berger allemand. Wouf, wouf, wouf! Le voleur a très peur. La police arrive. Le voleur essaie de s'enfuir, mais il n'y arrive pas. Les policiers arrivent à le rattraper. Le voleur dit « Je n'ai rien fait !» Le policier dit « Nous allons au commissariat nous expliquer. » Au commissariat, le voleur est condamné à 10 ans de prison et une amende de 1000 euros. Tom voit un cadeau et se dirige vers celui-ci, puis il s'apprête à l'ouvrir. Il ouvre le paquet et il découvre son avion télécommandé. Et il décide d'inviter son copain pour essayer son nouvel avion. Michel arrive dans le jardin et Tom lui dit « Viens voir, j'ai reçu mon avion télécommandé, il est trop bien. Tu peux l'essayer si tu veux. » « Oui, je veux bien. » Michel essaye l'avion. Rends-moi mon avion, s'il te plaît. Attends encore un peu. Michel ne regarde pas où va l'avion. L'avion rentre dans un arbre, puis se casse. Le père de Michel vient chercher son fils. Michel a cassé l'avion. Vous devez le réparer. Dans le garage, le père de Michel dit... Que s'est-il passé ? Sans faire exprès, je l'ai cassé. T'aurais pu faire attention, dis donc. Le père de Michel répare l'avion difficilement. Michel et son père arrivent chez Tom. Tiens, Tom, j'ai réparé ton avion. Merci, je vais l'essayer tout de suite. Tom essaye son avion et il prend feu. Ah, mon avion prend feu! Mon Dieu, excuse-moi, Tom, je l'ai mal réparé. Jean-Claude se réveille dans sa chambre. Il descend les escaliers et il tombe. Il appelle l'ambulance avec son téléphone portable. Allô, monsieur, au secours, venez d'urgence. Je suis tombé des escaliers, je me suis fait très mal au dos. L'ambulance arrive. Il sort alors de sa maison pour aller rejoindre l'ambulance. Il tombe dans une bouche d'égout. Au secours, au secours! Un passant referme la bouche d'égout. À l'aide!
L'ambulancier entend les cris de Jean-Claude. Vite, aidez-moi! J'arrive, je vais vous sortir de là. Merci, je n'aurais pas pu le faire sans vous. Je vous emmène dans l'ambulance. Il l'emmène à l'hôpital pour le soigner. L'ambulance part.